En prélude à la reprise des négociations à Alger, le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, M. Arnaud Akodjenou, s'est rendu à la tête d'une délégation de la mission à Kidal et à Tombouctou pour rencontrer la population. Dès son arrivée à Kidal, c'est à l'ombre d'un arbre que M. Akodjenou a rencontré Intala Ag Ataher, l'aménocale de Kidal, figure emblématique des Iforas. Le représentant spécial adjoint a souligné que son autorité morale et sa sagesse étaient plus que jamais importantes et représentaient un relais crucial auprès de la population. À l'issue de la rencontre, M. Akodjenou avait pris rendez-vous avec des représentants de la société civile de Kidal, parmi lesquels des points focaux d'association, des chefs de faction, le conseil régional des jeunes ainsi que des leaders religieux. Tout au long de la discussion, les représentants n'ont eu de cesse de répéter que les aspirations des populations doivent être prises en compte afin de garantir une paix durable. En fin de réunion, M. Akodjenou a précisé que même s'il subsistait des points de divergence, l'essentiel était de discuter et de parvenir à un accord de paix acceptable par tous. La médiation à laquelle nous faisons partie, à laquelle nous croyons fortement à la médiation, a fait une proposition. Elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, mais c'est une proposition. Et il importait de savoir, avant de retourner à Alger, comment les populations, comment les gens l'ont senti. Certes, nous avons leurs représentants, certes, nous avons les pouvoirs exécutifs, nous avons le gouvernement, certes, nous avons les partis, la coordination et la plateforme, mais quel est le ressenti? C'est dans cet état d'esprit qu'il est reparti à la mi-journée à destination de Tombouctou. Une visite à Gao avait déjà eu lieu par le passé. Les autorités politiques et religieuses des représentants de la société civile, des leaders communautaires et des notabilités des communes de Salam, Ber et Tombouctou y ont participé. Toutes les personnalités rencontrées ont exprimé leur exaspération envers cette crise qui a dégradé la situation sécuritaire, la vie économique et le tissu social. Nous demandons aux partis à Alger de multiplier les efforts et d'accepter que les négociations avancent. La communauté internationale ne pourra pas indéfiniment aider le Mali et des actions en faveur de la paix et une sortie durable de la crise sont nécessaires, a insisté le grand imam de la grande mosquée de Djingareber. Les notabilités de Tombouctou ont été unanimes à critiquer la non-vulgarisation du document contenant les éléments proposés dans le cadre d'un accord de paix. Condamnant les rébellions répétitives qui déchirent le Mali, les notabilités ont plaidé en faveur d'une solution durable qui conduira à une paix globale et définitive. Tous ont souligné la nécessité d'aboutir à un accord qui respecte l'intégrité territoriale, l'unicité et la laïcité du Mali, tout en reconnaissant les spécificités des régions. La paix, tel est justement le dénominateur commun de toutes ces rencontres et discussions. C'est ce qu'explique M. Akodjenou. Tous les populations veulent la paix. Les populations sont fatiguées. Les populations parlent de leur frustration, des difficultés à vivre. Que ce soit à Kidal, où les enfants n'ont plus été à l'école depuis longtemps, où l'école ne marche pas, où les centres de santé ne tournent pas, les populations veulent la paix et supplient leurs représentants d'aller vers la paix. Les représentants ou ceux qui parlent en leur nom, que ce soit au niveau de la coordination, au niveau de la plateforme, et que la volonté soit affirmée et confirmée au niveau du gouvernement pour aller vers cette paix dont la population ou les populations veulent profiter.